a beaucoup de documents qui sont utiles à la généalogie. Les actes de notaire en font partie. On pense au contrat de mariage et au testament. Mais il y a les actes d'achat, de vente, les baux, les procurations, les inventaires, les partages, les contrats d'apprentissage, divers procès-verbaux, et j'en passe. Des liens de parenté, des métiers, des domiciles, la liste d'un mobilier, la description d'une maison et les manières de vivre des gens à une certaine époque. On les trouve aux archives départementales et pour les notaires parisiens, aux archives nationales. Quant à leur lecture, certains sont un peu plus difficiles, mais il y a des solutions.